Alors, je reprends la vidéo des signes pour février. Donc, on a fait les Gémeaux, on a fait Lilith, hein, qui sera pour tout le monde, on a fait les Poissons, on a fait le Taureau, le Balance et le Sagittaire. Et maintenant, on continue pour les autres signes. Allez, quel autre signe on va faire? Ah, ben non, les Gémeaux, on les a déjà fait. Eh bien, on va faire les béliers. Et je pense que les béliers, on a du Gémeaux face à eux. Ou alors qu'ils sont en coordination avec vous. Alors, les béliers. Bélier, deuxième vidéo. Parce que j'avais plus de batterie, si tu te souviens bien. Allez, on y va. On va prendre une petite lame de l'esprit et on va prendre aussi une lame. Comme ça. Allez, pour mes amis béliers. Alors, on a Pallas. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. J'apprends de mes erreurs. Et on a Mercure. La parole est bleue et mon plus grand messager. Très joli, hein, mes amis béliers. On va prendre une lame de l'esprit. On te dit que tu n'es pas seul de chercher ta famille d'âme. Allez, pour mes amis béliers. Hop là. On a trouve ton centre. Hein, donc, aussi trouver la famille d'âme, j'entends. Trouver vraiment les personnes qui nous ressemblent. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te surmène, c'est le moment idéal pour te poser, te demander quand ai-je et fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Donc là, on te demande donc de te centrer, d'être en accord avec toi-même, avec ton âme. On a l'étoile et l'impératrice. Donc, espoir sur ce que tu as au fond du ventre, espoir sur les choses secrète que tu as au fond de ton cœur, hein? Voilà. Allez, pour mes amis béliers, pour février, une lame pour mes amis béliers, si ça veut bien venir. Celle-là. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sens l'étoile. Eh ben non. Mais bon, on te demande quand même de garder espoir parce qu'on avait l'étoile tout à l'heure. Donc ici, on a quelqu'un. Alors, soit on est perdu dans notre spiritualité, on ne comprend pas grand-chose dans notre spiritualité. Soit on a des révélations au niveau spirituel. On a une bénédiction. On a une, wow, on a une bénédiction sur un couple magnifique ici, l'empereur et l'impératrice, le pape et la papesse. Donc, je pense qu'au niveau spirituel, il y a des choses qui vont être révélées. On a une très grande protection, mon ami Bélier. C'est très joli. Très, très joli. On peut avoir aussi un empereur qui est un peu perdu, qui a des tristesses. Et la grande prêtresse, ton impératrice, va t'aider. Hein, dans ses souffrances, dans ses pleurs et dans cette nostalgie. D'accord? On a de l'aide qui arrive. Donc, ouvre tes yeux. Il y a de l'aide qui arrive pour toi. Pour mes amis béliers, on a la roue de fortune et on a le mat. Donc, il y a quelque chose qui change pour toi. Un renouveau, courir après le monde, être dans sa mission de vie. Ouais, il y a quelque chose qui change, une grande victoire qui s'annonce pour toi. On part, on repart en toute simplicité, en pleine conscience. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui souffre hein, quand même. On a de la nostalgie, peut-être entre un couple. Bon, un couple qui est marié là. Hein. On te demande de garder l'œil ouvert, d'être vigilant. Il y a des choses, hein. On doit guérir et on se sent un peu enfermé. On te demande de prier. On te demande aussi d'ouvrir tes livres saints pour pouvoir avoir des réponses. Vous savez que dans,
dans les livres saints, dans certains livres très très précieux, on a des réponses, on a toutes nos réponses, hein, d'accord? Donc ça, il faut pas oublier. Ok, allez, on y va. Pour mes amis béliers. Oh, ben, on a la naissance de nos rêves, on a la naissance de nous-mêmes. Hein, peut-être par rapport à une séparation qui a été compliquée, peut-être vraiment, là, on a vraiment peut-être un homme, un empereur qui se sent pas bien. Regarde, ça revient. Hein. On a la fatalité, mais on est protégé. D'accord? On est protégé de ce qui arrive à nous. On a la protection des ancêtres, on a la protection du guide suprême. Oh là! Au niveau charnel, il y a comme un échec. Hein. Vraiment, on est protégé. Mais bon, il y a certaines choses ici. Hein. Peut-être au niveau familial, par rapport à nos rêves. Il y a de la trahison, il y a des choses pas très claires. Donc là, on va repartir à zéro. Hein. Il y a un changement qui s'annonce pour vous, mes amis béliers. Voilà, la naissance. Hein. On a la renaissance, là, on repart à zéro. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu une histoire un peu compliquée dans un couple. On s'est senti enfermé ici. Ouais, on a le verdict. Donc voilà, des trucs juridiques. Et ça te donne ici la victoire. Et en plus de ça, tu as une grande protection là-dessus. Ça, c'est joli. Donc si on redémarre à zéro, bah, n'aie crainte. Hein. C'est toujours que du positif. Hein. D'accord? Ouais, il y a la naissance de quelque chose. Alors ici, vraiment, on voit que les ennemis, ils mettent un petit peu d'instabilité dans ta vie. C'est pas cool. Il y a un peu de feu autour de toi. Allez, cette naissance, hein, parce qu'on repart à zéro là. On a quelqu'un de pas très cool autour de toi. On peut avoir des problèmes financiers aussi. Au niveau du travail, on a un héritage. À table, il y a des trucs qui arrivent à table à l'instant présent. On a un départ. Hein. Donc là, mon ami Bélier, pour toi, mois de février, c'est renouveau, un hein, nouveau départ. La corne de l'abondance, c'est magnifique. Donc, retrouve ton centre. Essaie vraiment de manifester des bonnes choses. Tu vas découvrir des choses à l'écrit. Tu vas avoir des découvertes hein, qui vont te permettre de changer ton cheminement. Oui. Donc là, ami Bélier, c'est ça qu'on te dit. Ouais, c'est ça, la justice divine. Pour mes amis béliers. J'ai de la coquinerie là, je sais pas pourquoi. Alors, on parle de la naissance de quelque chose, de personnes qui vont s'assembler, qui vont s'aider pour grandir. Ouais, par rapport à la fin d'une situation, hein, on a un conflit mental, un verdict qui nous met dans une sorte de conflit. On peut avoir de la rivalité, on ressent comme un deuil, comme une tristesse, d'accord? On parle aussi du travail, quelqu'un qui travaille acharnement, acharné. Hein, on va travailler à plusieurs, mais peut-être que là, on nous demande vraiment de trouver notre centre personnel parce que peut-être qu'il y a des conflits entre entre plusieurs personnes et on a quelqu'un qui dort très mal. Peut-être au niveau du travail, hein, il y a des choses, voilà, hein, il y a des problèmes, il y a des problèmes autour de toi et peut-être au niveau du travail, au niveau de ce que tu as envie d'accomplir. Hein. Vraiment, on te demande de faire jouer ta clairvoyance. Bon, il y a des trucs un peu juridiques. On te dit que tu vas retrouver ton pouvoir, mais il faut sortir de cet endormissement, hein, pour pouvoir réaliser tes rêves. Ok. Donc, on a un choix. On te demande de prendre un choix pour pour ta propre vitalité, pour ta force personnelle. Tu as un choix à faire. Peut-être au niveau du travail, avec une tierce personne. Peut-être qu'on est jugé, hein, peut-être qu'il y a ces choses-là. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose de bien. Au niveau des véridiques, au niveau des choses juridiques, en fait, tu as la victoire. Si par exemple, tu as des trucs sur le feu,
qui ont pris fin et que si on a été obligé de la justice, une rupture, des choses comme ça, on te parle ici de victoire dans ton foyer, la naissance de quelque chose de positif. On a malgré tout des hésitations là-dessus. On parle ici du printemps, des choses qui vont être fêtées au niveau du printemps. Ouais, un cadeau qui arrive. Ouais, on te reparle de la fin d'une situation, hein. Il y a un choix radical qui s'annonce et c'est nouveau départ hein, de toute manière, hein. C'est pas encore dévoilé, mais on garde espoir là-dessus. On a encore le cœur qui balance, en fait, hein. On peut te dire de faire attention à une tierce personne ici, une femme, hein, d'accord? Et on te dit que c'est le message. Waouh, le monde. Donc tu vas récolter ton monde, hein, tu vas rectifier toutes les choses. Il y a la justice qui va tomber par rapport à ce blocage que tu as dans la naissance de tes projets. Tu as vraiment envie de créer quelque chose, mais on t'enchaîne, il y a quelque chose qui t'enchaîne. On va te donner l'opportunité de guérir ici. Ça peut être une femme, hein, qui te bloque. Si ce n'est pas une femme, si c'est toi la reine de cœur, on va te donner tout ce que tu as besoin pour réaliser tes rêves au mois de février. Tu es protégé sur les choses un peu bizarroïdes. Ce pendu et ce neuf, bah, il faut quitter. Il faut quitter ça. Laisse derrière ce qui ne sert à rien, les mauvais projets. Trouve ton centre. Trouve vraiment ce que tu as besoin et ce qui va t'apporter le bonheur ici. Alors, Bélier, c'est radical, c'est très expéditif, mais parce que c'est plutôt positif. On peut y voir ici un homme et une femme qui a de la souffrance entre deux, hein. Et puis qu'il y a la tour, donc en fait, il y a des révélations. Et on repart à nouveau pour un nouveau départ ici, hein. Le mat. Tu vois, on se déchaîne, on se délie. On peut avoir une grande force spirituelle aussi. Ouais. Et il y a des vérités qui vont éclater au niveau d'une femme de cœur, au niveau d'une femme qui est proche de toi ou de toi, hein. C'est la tour, hein. Il y a une révélation qui arrive par rapport à une femme. Ça, c'est radical, hein. Qu'est-ce que je prends? Ok. Allez de l'avant. Ceux qui t'aiment se suivront jusqu'au bout du monde. Pense à toi et à rien d'autre. Va, avance, mon ami Bélier. Secret à dévoiler. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Garde le silence sur les critiques, hein, parce qu'on te dit que ton amour, ton âme sœur est là et que seul ton cœur sait. On parle de l'empereur ou de l'impératrice. Donc va de l'avant, continue sur ta lancée parce que là, c'est quand même plutôt positif. C'est vraiment positif pour toi, mon ami Bélier, pour le mois de février. Expéditif, mais plutôt positif, hein. On te demande ici de te rapprocher vraiment de ta spiritualité. Moi, c'est ce que je ressens pour toi. Rapproche-toi de ta spiritualité. Il n'y a que ça de vrai. Hop. Allez, c'est pour mes amis Bélier. 13, 20, 13, 20, 20, 31. Eh bien, tu vois, une heure miroir. Hop. Allez, on continue, mes petits choubidous. On va aller regarder les autres. Donc, ce qu'on n'a pas fait, des messages qui... Ah oui, exact, pour enlever les énergies quand même. Allez, quel autre signe pour février? Les poissons, on les a déjà faits. Les béliers, on les a déjà faits. Donc voilà, peut-être que des béliers, des poissons sont liés. Peut-être qu'il y a une histoire entre ces deux énergies-là. Qui fait-on? S'il te plaît. En tant que cancer, on a le Verseau. Et face au Verseau, nous avons le Scorpion. Donc, mon petit ami ou amour, choubidou, Verseau, on te dit d'assumer ton unicité et d'affirmer tes idées. Allez, message pour mes Verseaux pour le mois de février. La spiritualité dans toute sa splendeur. J'exploite mon potentiel intellectuel. Donc là, c'est plutôt cérébral. On te demande de faire, voilà, de faire jouer ton intelligence, d'être intelligent et intelligente. Voilà.
pour mes amis Verseau. Waouh, la force. La force et le jugement. Donc là, il y a des choses au niveau du passé qui n'ont pas été cool, qui vont être rectifiées. Tu vas renaître de tes cendres. On te parle de victoire dans tes projets. Ah, il y a eu des choses dans ton passé qui ont été difficiles et tu repars toi aussi à un nouveau départ. Et c'est la justice qui fait son travail. Allez, une pour mes Verseaux. Tu as appris beaucoup de choses au niveau du passé en fait. Hein. On a l'empereur qui arrive, ton roi ou ta reine. On a le bâtisseur du cœur. Moi, je pense que là, on va direction l'amour, en fait. Hein. On va vraiment, voilà, on laisse vraiment, mes amis Verseau, vous laissez le passé. Vous réalisez que votre vie est très importante et on part pour un nouveau départ. Et on te parle ici de l'empereur, du retour de l'amour qui va te donner beaucoup, beaucoup d'abondance. Très joli. Pour mes amis Verseau, crois en tes rêves, hein, la magie agit, l'âme agit. Donner pour recevoir aujourd'hui est le jour où tu dois mettre des habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un aura besoin de toi aujourd'hui, maintenant. Allez, pour mes amis Verseau. Alors, on a quelque chose qui prend fin, mais bon, c'est craquant, c'est pas forcément négatif. On va voir. Allez, j'en voudrais trois, s'il te plaît, pour mes amis Verseau. Alors, on te dit d'écouter ce qui a été fait au niveau du passé, d'en tirer des conclusions, ce jugement. On a une femme, d'écouter ce qui a été fait au niveau du jugement du passé. On a un messager qui va t'aider, qui va te montrer les signes. Ah, ici, on peut te dire de faire attention à une femme autour de toi. Ah, bah ouais, hein, carrément, et elle est dans tes pensées, elle te tracasse. Elle te tracasse, cette personne. C'est une histoire de cœur. C'est vraiment une personne maléfique, hein, je te dirais. Vraiment très bizarroïde. Fais attention à cette personne-là, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, tu as la victoire. Hein. Le soleil va éblouir le serpent. On a un homme aussi. Hein. Ça peut être une tierce personne par rapport à un homme. On parle de compromis à avoir avec les amis. Hein. On a des hésitations. Ouais, il y a une histoire de fidélité ou d'infidélité. On a quelque chose qui arrive avec lenteur, d'écouter ton petit enfant intérieur au niveau de cet amour. On a une élévation, on a une histoire d'amour et on a un nouveau projet. Ok, donc ça, ça peut être un couple ou alors ça peut être un homme ou une femme qui a déjà fait le voyage et qui te protège, hein, d'une femme. Avec qui il y a rupture, avec qui il y a dispute, à cause d'un homme. Donc là, on est en pleine triangulaire. On nous demande ici de prendre soin de nous, d'aller dans un temps de pause, hein, d'aller prendre un peu de la récupération énergétique au bord de la mer ou dans un endroit calme. Tu pourras faire peut-être une nouvelle rencontre. On te dit que c'est le message et ça sera une nouvelle rencontre. Donc peut-être que là, clairement, on nous demande de quitter une énergie tierce. Vraiment. Il peut y avoir des enfants, une jeune fille courageuse qui est dans tes amis, qui arrive sur la route. On va te donner le choix, hein, qui arrive avec lenteur. Tu vas décider lentement parce qu'il faudra en discuter. Et on a l'amour après, hein, d'accord? Mais on a du chagrin par rapport à tout ça. Bon, bah moi j'ai envie de te dire qu'ici, en fait, on va clairement... Attends, j'ai besoin de savoir ici. Ouais. C'est un ancien amour qui vient du passé, avec qui ça a été lourd. On te parle de changement.
Ouais, ça arrive, on va te donner des nouvelles, mais bon, c'est est-ce que c'est une personne qui prend des renseignements sur toi? Moi, je pense qu'il faut plutôt penser au futur, parce que ce qui vient du passé, c'est pas forcément très très bon pour toi. Là, vraiment, on te dit de lâcher l'affaire au niveau du passé, les trahisons du passé, parce qu'il y a une histoire de tierce ici pour moi. D'accord? Tu es la reine de Pentacle, on va te donner tout ce que tu as besoin pour réussir. Tu as la réussite. Donc, tes projets, tout ce que tu as au fond du cœur, vas-y, parce que ici, on te parle de victoire, mais de belles victoires, hein. Tu as tout en main pour réussir, hein, mon impératrice ou mon empereur, hein. Tous tes projets, ton abondance, tout va immerger, tout est magnifique ici, hein. On a l'ermite et on a des nouvelles. Donc, on te demande de garder le silence sur des choses qui arrivent à toi, sur des histoires de trahison. Garde le silence parce qu'on dirait qu'il y a des choses qui sont cachées que tu ne sais pas. Donc là, on nous demande de sortir des illusions, de voir clairement les choses qui sont, voilà, la crise, quoi, les problèmes, hein. Voilà, la tour qui est à l'envers. Donc, c'est positif comme c'est négatif. Moi, on te dit ici, ça y est, c'est bon, tu as assez donné, mon ami Verseau. Tu as assez donné. Je pense que tu étais quelqu'un dans le cœur. Et ça y est, hein, maintenant, c'est bon. On te parle ici de changement, de communication qui arrive pour toi. Ouais, c'est la fin. Pour moi, ici, bon, pour le mois de février, mon ami Verseau. J'allais dire mon petit amour Verseau, eh bien, on te dit lâche l'affaire sur ce qui est délicat et qui t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, tu dois penser à toi, tu dois penser avec ta tête et peut-être moins avec ton cœur, d'accord? Pense à toi, pense à rien d'autre, d'accord? Et l'esprit de discernement, on te dit de renoncer, il y a un renoncement pour quelque chose de neuf. On te demande une nouvelle fois, comme avec l'ermite, de garder le silence. Et on a des larmes qui viennent, des larmes après la joie. Non, les larmes et ensuite la joie. La paix de l'âme, le silence en Dieu, le roi des rois. Oh. C'est trop beau. Donc, et l'esprit de discernement, de toute façon, tu as la protection du divin. Hein, on est obéissante aussi. Si on te dit de garder le silence, tu vas garder silence. Hein, et tu vas plutôt prendre ton courage à deux mains et te dire que ça y est, c'est terminé, on avance, on a décidé d'être heureux et heureuse, on n'a qu'une vie et il ne faut pas la gâcher pour des personnes qui n'en valent pas la peine. D'accord? C'est très important. Je vais aller te prendre une lame spirituelle. Oh punaise! Hop, 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 tac, je remets tout ça. En plus, un petit clin d'œil des saints et des mystiques. Voilà, à mon avis, c'était pour toi, cher ami Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu, un éveil spirituel. Accepter d'être soi-même, on a un but à atteindre. On te demande encore une fois de faire les choses avec intelligence et le cérébral. On a un temps d'information, c'est un temps d'attente, mais j'ai dit information, pour réfléchir. Ne te retourne pas. C'est clairement ça. Le battleur, toi aussi. Le commencement, le triomphe, la prise de pouvoir et de décision, on a des possibilités d'action. Il est unique, sans associé, Dieu le Créateur. On a envie de partir, donc il faut le faire. Voilà, on va valider les projets face au monde et on a un équilibre et une purification. J'ai aussi beaucoup le verre qui nous dit, ah, j'en ai une ici. Sans se mentir, on décide de partir vers de nouvelles horizons. L'avenir est promesse de chaleur et de bonheur. Nous sommes dans le cœur du cœur, mystère et gloire à Dieu. Trop beau. Trop, trop, trop beau. Verseau. Bon, ben, elles sont toutes à l'envers, donc tant pis, on va les laisser tomber comme ça. On a l'instant présent, on a le bonheur, donc voilà. Bois ton petit café, ton petit chocolat, ne pense rien d'autre, pense plutôt vraiment à découvrir certains secrets sur toi-même. Ouais, essaye de découvrir quelque chose, hein. Il y a un jeune homme rival aussi. Peut-être que tu dois découvrir certaines personnes. Celles-ci, je les prends.
On te demande d'écouter ton âme et d'écouter ton cœur, de donner ton amour. On a une invitation au niveau des amis qui arrive. On te demande de faire attention à la rivalité. Ça peut être un jeune homme autour de toi qui n'est pas juste. On te dit aussi que le temps n'existe pas. Donc même si tu es en retard, c'est pas grave. Tu vas retrouver la paix et la liberté. On a un nouveau départ ici, hein, la renaissance pour toi, cher ami Verseau. Attends, on me dit que j'ai oublié quelque chose. On a peut-être un message à te donner très important avec ces lames-là. Apprécie le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est un changement. C'est le changement de tes énergies. Et on a un rêve conscient. Voilà, mes chers amis Verseau. Et on est à 25-41. Bon, c'est la deuxième vidéo, hein. Là, on est au moins presque 3 heures, je crois, hein. Donc, merci vraiment pour votre présence parce que c'est une longue vidéo, vraiment très longue, très très longue. Je ne sais pas si je pourrais faire ça tous les mois. Je pense pas, hein. Je te dis la vérité, hein. Ou alors, je ferais peut-être juste les quatre éléments, tu vois. Je vais accorder les quatre signes par quatre signes parce que. Waouh, c'est trop, c'est pas possible. En tout cas, je salue les femmes et les hommes qui font ça, hein, des vidéos de 4 heures là. Waouh, chaud patate, hein, vraiment toute ma gratitude. Hein. Le scorpion, il est beaucoup là. Hein. On a quelqu'un, bah, peut-être que c'est pour tout le monde. Hein. On accepte de se transformer et de renaître. Ici, nous avons le Capricorne et on a aussi le Scorpion qui est face à lui. Donc moi, j'ai des personnes qui, voilà, qui picotent, des personnes qui sont fortes de caractère. Voilà, et pour les Capricornes, mes amis Capricornes, j'élève mon ambition sans modération. Capricorne, nous sommes à 49, 26 minutes 49. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Il va falloir que je refasse toute la vidéo pour pouvoir vous donner les bonnes heures. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va te dire, ami Capricorne? Message pour mes amis Capricorne. Des personnes avec une grande protection divine. Celle-là de venir. Mars, waouh, ma volonté s'allie au courage. Alors là, beaucoup de force hein, chez mes Capricornes, beaucoup pour le mois de février, beaucoup de choses en eux, vraiment, hein, d'accord, avec Vénus. Hein. Mes lunettes roses entravent ma vision. Donc là, on a peut-être quelque chose qui nous illumine. On a en plus prendre conscience de ce qui nous apporte le bonheur. Donc là, j'ai deux grosses planètes pour mes amis Capricorne. Donc là, c'est plutôt positif. On a Mars qui nous parle vraiment de l'action et on a Vénus qui nous parle d'amour. Amour. Allez, pour mes amis Capricorne, on me demande de faire ça, donc je dois le faire. Ouh, c'est peut-être pour ça, hein? Il y a des liens intimes qui s'annoncent. Ouais, une relation qui est protégée, on a beaucoup d'abondance et on a une évolution pour mes amis Capricorne. Allez, quoi d'autre? On a un voyage et on a une maison. Donc, on peut avoir un changement de maison, un changement, hein, d'accord? Quelque chose qui prend fin dans une maison. Hein, ça peut être ça, ça peut être vraiment un déménagement, un changement radical. On est en train d'y parler, on est en train d'en parler. Il y a des discussions sur mes Capricornes. Au niveau familial. On est en train de parler de mes amis Capricorne au niveau familial. Oui, on parle d'une maison. Hein, on parle d'une maison, on peut parler aussi d'une famille, de la famille du Capricorne. Moi, j'ai l'impression aussi que mon Capricorne, il a beaucoup de clairvoyance, beaucoup de dons spirituels. On a une femme et on a une ouverture. Donc, on a quelque chose qui bouge pour vous, mes amis Capricorne. D'accord? On a une ouverture. Peut-être qu'on envisage de se mettre en couple avec une femme. Hein, c'est possible. Hein, d'accord? On a des correspondances qui prennent fin ou alors qui vont mettre un terme à quelque chose. Donc, ouais, bah oui, hein, pour moi, là, il y a des Capricornes. Ils sont dans un lien d'amour assez fort. Hein.
On peut être à distance d'une impératrice, mais il y a un coup de chance qui s'annonce. Il y a des contrats aussi au niveau de la clairvoyance. On a des paroles qui viennent de l'étranger. On va nous donner quelque chose pour nous apaiser. On parle aussi d'amitié, la famille. Il y a un lien intime qui est là. On a des rêves. On est en train de discuter de tout ça. Il y a des visites. On en rêve. On rêve d'une visite de quelqu'un. On a des compromis à avoir, des signatures, des négociations. Et ouais, ça peut être au niveau de la clairvoyance. Et j'ai l'impression aussi qu'on le sent les choses, hein. On a une femme avec qui on voudrait se projeter, ou alors une femme qui se projette à distance. Et on a des enfants aussi. On a la naissance de quelque chose. C'est un cadeau qui arrive après une séparation. Mais Capricorne, j'ai l'impression qu'on a des compromis sur nos rêves. On dort beaucoup. On parle beaucoup de toi. On a des liens intimes avec des amis. On parle ici de quelqu'un de très important qui revient dans ta vie. On peut parler d'un engagement solide ici. Il y a une ouverture pour mes amis Capricorne. En fait, j'ai l'impression aussi que pour mes amis Capricorne, on a la famille, on a l'amitié, on a le lien d'amour. C'est magnifique, c'est merveilleux. Tout est harmonisé. Alors, on va te. Bah ouais, vraiment, regarde-moi ça. La roue de fortune, le soleil, on peut parler d'un engagement officiel, d'un mariage. Par contre, on peut être très. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. Bah si, malheureusement. On peut avoir des personnes qui font du travail, mais c'est pas grave. Laisse faire, parce que voilà, tu as le monde, tu as quelque chose de merveilleux qui s'annonce. Et en plus, on a le retour de quelqu'un que tu as très envie de revoir. Hein. Et on peut aussi avoir un empereur ici qui protège, qui est protecteur. Hein. On a un manque de quelque chose ou de quelqu'un et on va le dire. On a guéri certaines choses, peut-être certaines jalousies. On a vraiment un déplacement. On a le grand triomphe. On a une harmonisation au niveau d'un couple. Ah bah ouais, carrément. De l'amour à gogo. L'empereur va prendre une certaine. Alors, ici, j'ai un Capricorne, un empereur qui a beaucoup de pouvoir magnétique. Hein. Vraiment. Est-ce qu'on ne va pas repartir à zéro ici? On va rectifier les choses qui ont été mal interprétées. On a des secrets au niveau d'un love. On te parle de nouvelles qui arrivent. On va t'en parler. On a une reine d'épée, on a une femme qui ne parle pas trop, qui est dans le mental. Et on va quitter cette énergie ici, on va se protéger d'elle. Quoi qu'il en soit, avec le fou et le jugement, eh bien écoute, c'est plutôt positif, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez harmonisé dans sa vie, quelqu'un qui va être harmonisé dans ses rêves. On a le monde, on va prendre de la distance avec les choses néfastes. On va s'engager avec quelqu'un. Si par exemple on a envie de se mettre en couple avec quelqu'un, moi ici pour moi j'ai un couple qui s'annonce. Ouais, pour moi c'est ça. Allez, je sais même pas si je l'ai déjà pris. Bon, mon impératrice, il y a une libération ici. On peut parler aussi de justice. On peut parler de rééquilibrage. Hop, on a une jeune fille ici pour mon ami Capricorne. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? On a quelque chose qui arrive sur la route, on a un peu d'hésitation, on parle du printemps. Pour moi, c'est un changement de domicile. On ne sait pas trop, on réfléchit à de tout et de tout, mais pour moi, c'est ça, on a un choix qui arrive avec lenteur. On va en discuter, il y a besoin aussi d'argent. Oui, c'est ça, moi, c'est la réunion de deux âmes, hein, qui sont complémentaires ici. Mais bon, peut-être que l'empereur ici, ses pensées sont pas très claires. Donc il faudrait peut-être qu'il rétablisse un peu un ordre, hein, qu'il évite un peu les méchancetés, les personnes néfastes autour de lui. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il est peut-être il faut qu'il écoute un peu la guidance, le soleil, parce que peut-être qu'il n'est pas juste avec elle là. Voilà, et elle, ça lui fait battre le cœur. Donc on lui demande plutôt à cet empereur d'être doux, d'être un lion en fait, hein, d'être un lion. Mais ce n'est pas la femme qui doit les chasser, qui doit tout ramener au nid. Hein. Hein, parce que moi, c'est ça que j'entends.
Un empereur avec un caractère plutôt bien trempé. Et ses pensées sont pas positives par rapport à l'impératrice. Hein, si on veut se mettre en couple. Hein. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, on parle d'amitié, on parle de quelque chose de gelé. Ou alors, il faut vraiment faire attention aux amis. Ne pas mélanger les amis et les love stories. Hein. Voilà, il y a une évolution qui est là. Oh, attends. D'accord. Moi, il faut que j'écoute. Hein. Maintenant, j'ai décidé de toujours écouter. Mais alors, est-ce que je vais le trouver aussi? Ça, c'est encore une grande question. Ne bouge pas. Oh, non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Excuse-moi, ami. Non, c'est toujours pas celui-là. Eh bien, attends, parce qu'il faut que je m'écoute. Hein. Si je fais pas, ça va pas. Parce qu'en fait, moi, tous mes tarots, ils sont tous dans des petites fiole comme ça et ben après pour les trouver c'est la folie hein. C'est la folie voyageuse. Bon, est-ce que je mets pause pour aller chercher parce que j'ai besoin d'un tarot bien spécial là. Attends, je mets pause et je reviens parce que c'est très important de s'écouter. Hop, alors c'est bon. Excuse-moi, j'ai peiné à le trouver hein. J'ai peiné à le trouver. Oh là là, il faut peut-être que je les remette tous dans leur boîte hein, parce que c'est la folie voyageuse hein. Il y a trop de jeux. Hein. Hop, pour mes amis Capricorne, on m'a demandé de prendre l'oracle des animaux totems. Alors, on a de l'abondance qui est là et on va mettre de l'argent de côté. On va faire fructifier quelque chose. Moi, j'entends qu'il y a des murs, ça veut dire une maison. On peut déménager, on peut emménager avec notre autre. Hein, on peut emménager avec notre autre, mais là, on nous demande vraiment de se mettre à la même mesure, hein, tu vois, c'est pour ça qu'on a Mars et Vénus. Peut-être beaucoup de feu dans la planète de l'amour, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite et le 10 de Pentacle. Ben oui, c'est ça, hein. Moi, il y a une fondation de famille ici, hein. Il y a une fondation de famille, on a allumé les lanternes, on voit exactement ce qu'il en est, on sait exactement ce qu'on veut, on veut grandir avec une personne ici. Mais Capricorne, c'est merveilleux. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour mes amis Capricorne hein, par rapport à cette élévation qui est là? On a le Mars, on a le Vénus, c'est plutôt joli. Alors, ici, il y a la cocotière, là, le poulailler. Hein, on est en train de laisser germer des choses ici. On va retrouver un super équilibre et en plus, on a une victoire exceptionnelle dans le poulailler. Ouais, on peut avoir une certaine liberté qui s'annonce. Vraiment, on va avoir comme un... Comment te dire? Non, celle-là, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi, mais laisse-moi quand même l'analyser. On va t'ouvrir les portes pour que tu puisses aller à ta destinée. Il faudra faire attention à la pieuvre. C'est pas une pieuvre, c'est une raie. Il faudra faire attention à la raie qui pourrait y avoir. Ça veut dire, ne va pas te laisser changer ton chemin de vie pour n'importe quelle raison. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as la victoire. On voit une reine et un roi des abeilles. Même s'il n'y a pas de roi des abeilles, c'est pas grave. Un roi et une reine de leur navire. Une troisième, s'il te plaît. Là, moi, on te parle vraiment de puissance, hein, ok? Alors, on peut avoir un conflit mental, on peut avoir peur de décoller, on a peur d'avancer, mais il faut y aller parce que moi, je pense qu'il y a une poule ou un poulet qui t'attend. Vraiment. Encore sur ce 2 d'épée, s'il te plaît. Ouais, tu vois, on a l'as de bâton, donc avec le valet de bâton, bah, en fait, ouais, c'est vraiment ça, on te demande d'actionner la roue, en fait, d'y aller. De ne pas avoir peur, de ne pas te laisser enfermer dans une boîte qui n'est pas la tienne. Et il y a une passion dévorante ici. Moi, je pense qu'il y a un conflit mental sur une passion. On a envie d'une nouveauté, on a envie de... Voilà, il y a un fil rouge ici, il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'envie, beaucoup de charisme, un nouveau départ, des nouvelles, avec une poupoule.
Voilà, l'as de bateau, l'as de pentacle, on va te donner vraiment tout ce que tu as besoin pour être dans ta mission de vie. Il y a quelque chose, un poulailler. Excuse-moi, je parle en mode poulailler, mais parce qu'on m'a demandé vraiment, tu vois, le roi de pentacle. Hein. Ici, on te demande d'être le roi et la reine. Point barre, c'est tout. Vraiment, il y a quelqu'un pour toi. C'est magnifique. Hein. En fait, on va te donner tout ce qu'il faut pour que ta petite maisonnette, elle soit au top. Allez, encore, s'il te plaît. Je vais les chercher, ok. 6 de bâton. Allez, 2 de pentacle. As de pentacle, 2 de pentacle. Donc, en fait, c'est un roulement de tambour. C'est petit peu par petit peu, l'oiseau fait son nid. Ce 2 d'épée. 8 de pentacle, on travaille dur, mais on est un peu dans un conflit au niveau du travail, au niveau de quelle chose faire en premier, quelle chose faire en deuxième, tu comprends? Le magicien qui revient, donc on a un nouveau départ, on repart à neuf. Ouh, la force, hein. On te dit que tu vas avoir de l'aide. Tu as de l'aide qui arrive, hein, d'accord? Alors. On te demande de faire attention aux personnes un peu qui tournent autour de toi quand même. Hein? On te dit de faire attention un petit peu aux personnes qui tournent autour de toi, qui voudraient te blesser, qui voudraient te mettre trop sur tes épaules, trop de charge sur tes épaules. Hein? Ça peut être une énergie tierce, un roi qui, bon, ou alors, ouais, c'est comme si en fait t'es tout raplapla. La reine de Pentacle, il y a une tierce, il y a un homme tierce. Ah, attends. Le 7 de coupe, il faut mettre les choses bien en ordre. Il y a une trahison. Et on a le 3 de coupe à plusieurs. Donc attention, mon empereur. Alors, mon empereur ou mon impératrice. Je dirais que c'est l'empereur. À mon avis, il doit y avoir une personne autour de toi. C'est une cochonne. C'est pas quelqu'un de bien. Même si tu es amoureux d'elle, il peut y avoir une tierce personne. Et je pense que c'est fini. Hein. Et tu vas repartir à neuf, en fait. Ouais. Le chariot, c'est la victoire. Parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord? Pour moi, c'est ça. Hein. La justice, t'inquiète, t'as la victoire. T'as la victoire, t'as le soleil, même si tu es seul, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que là, j'ai l'impression que ça parle pour quelqu'un ou que son amoureux, il peut y avoir quelqu'un qui est venu voler son amoureuse. C'est possible, hein? Eh bien, écoute, si c'est ça, ça veut dire que cette personne n'était pas vraiment pour toi et que ça valait pas le coup. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau... D'accord. Bah, je pense que c'était ça le message. Hein. 10 de bâton, c'est pour te dire que maintenant, il faut avancer, c'est terminé. D'accord? Ne pas trop être dans le cœur, parce que ça peut te mettre vraiment mal par rapport à une impératrice qui n'est pas juste, avec qui on a rupté, et que maintenant, peut-être, il y a la bagarre. Mais on te demande d'ouvrir ton cœur à quelque chose de nouveau, de neuf. Et surtout... d'allumer ta lanterne parce qu'il y a quelqu'un pour toi. Attends, parce que c'est pas fini, ami Capricorne. Qu'est-ce qui arrive au niveau love? Love, love. Alors, on a un voyage. On regarde de loin. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a un déplacement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes amis Capricorne? S'il te plaît. Oh là, la jalousie. Il y a une tierce personne. Il y a une triangulaire ici. Ben, il faut prendre un nouveau chemin. Hein. Ah ouais, faut laisser ça, hein. D'accord? Parce que voilà, on est jugé, c'est pas la peine. Donc on te demande de garder le silence avec l'ermite. Hein. Allume ta lanterne et ne vois que le soleil. Suis le soleil, c'est tout. Hein, et tu auras la victoire. Donc là, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a une histoire de tierce ici. Ce voyage, un voyage spirituel qui va te donner certaines clés. La jalousie te fait blocage. Hein. Cette histoire de rivalité, de tierce, de triangulaire te fait blocage, te met des retards dans ta vie.
Donc, on te demande d'être le roi d'épée, donc d'agir avec force, de prendre la couronne dans ta main, hein, et de la mettre sur ta tête. On te dit qu'en toi, tu as autant le spirituel, le mental et l'amour. Tu es quelqu'un de fort. Il y a des temps de fête avec les amis, mais on fait attention à ceux qui voudraient nous enchaîner ou nous mettre plus bas que terre. On te dit vraiment que tu vas sur une grande destinée avec le chariot et l'as de bâton. Tu vas sur une abondance vraiment magnifique, hein. Tel un bélier, tel un capricorne fort. Cette jalousie pourrie là. Ça peut être une femme, hein, qui est jalouse, hein, qui te regarde, hein. Roi d'épée, on a un couple. Là. Oula, ça veut dire quoi ça? Sur tes souhaits. Ça sent bizarre. J'ai envie de te dire de toujours garder secret, hein. Lorsque tu vas trouver ton autre, garde le secret. Ça sert à rien, hein. Parce que comme on dit, les gens qui ne savent pas, ils peuvent pas faire du mal, hein. Dès qu'ils vont savoir, d'ailleurs, ça peut être un message pour tout le monde, hein. Un 10 de bâton, c'est parce que c'est assez lourd. Moi, je vais te dire, par exemple, si tu tombes sur quelqu'un et que c'est vraiment la personne, genre, allez, personne n'est moche, hein, personne n'est laid. Mais bon, t'en as qui sont plus beaux que d'autres. Mais bon, après, t'as des gens, ils sont beaux, mais à l'intérieur d'eux, c'est tellement moche qu'ils sont moches. Mais en fait, je vais te dire que même si tu tombes sur une personne qui est méchante, qui est violente, qui est moche, qui est méchante, violente, moche, violente, méchante, dès que tu vas être avec lui, aux yeux des personnes autour de toi qui sont un peu néfastes ou qui te jalousent, c'est de l'or. Et ben peut-être que cette personne, tu la prends et tu leur donnes. Voilà, tiens, cadeau, récupère. Mais si vraiment la personne que tu veux ou que tu vas avoir, elle est magnifique, elle est gentille, cache-moi ça. Pourquoi? Parce qu'on voudra toujours te voler ce que tu as. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Il veut pas que tu sois heureux. C'est comme ça. Tu vois, 8 de coupe, on te dit de suivre le courant, de suivre le courant, hein, le courant d'air, le courant de l'eau, de quitter les choses un peu qui te font mal au cœur. Voilà, 3 de coupe, on peut avoir un peu de sournoiserie, de jalousie au niveau des amis ou que ça a été fait à plusieurs. Et on te dit que là, c'est la fin, hein. Faut quitter ces énergies bizarroïdes, hein, d'accord? Prendre de la hauteur, telle la girafe, et aller chercher ton trésor qui est que pour toi. De toute manière, hein. Parce qu'on t'a volé quelque chose. Ça peut être une reine. On peut t'avoir volé quelque chose. Donc, on te demande de guérir cette situation, guérir ces histoires de triangulaire. On n'en a pas besoin. Pas du tout, hein. Il y a de la jalousie familiale, des gens qui font du travail. Hein, voilà, qui crée de l'instabilité, donc on n'en a pas besoin. Cette carte, elle veut nous faire un coucou. Le soleil, l'abondance, d'accord? Clairement, c'est ça. Voilà, mon cher ami Capricorne. Hop, Capricorne. Alors, 47, 49. 47 et 49. Voilà, mon cher ami Capricorne. On continue. Allez, on continue. À qui le tour? Donc, on a le Capricorne, on a le Verseau et on a le Lion. Donc, mes amis Lions, c'est pour vous. On te demande d'exprimer ton plein potentiel. Tu peux avoir des Capricornes et des Verseaux autour de toi. On peut te demander aussi d'élever ton ambition avec sans modération et d'assumer ton unicité et d'affirmer tes idées. Allez, les Lions. 48 et 30 secondes. Voilà mes petits choubidous. Allez pour mes amis Lion. Ascendant Lion, Lune en Lion, Signe en Lion, tout ça, tout ça. On voit ton intuition qui est là, on voit une force de caractère. Je me défais de mes chaînes du passé et on exploite notre potentiel intellectuel. Donc là, c'est joli. On lâche l'affaire sur les choses qui ne nous servent à rien. Pouf, ça sert à Welou. Alors on cherche
à être heureux et heureuse. C'est tout. Allez, pour mes amis lions, qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit du feu, on voit qu'on a envie de se déchaîner. On va se déchaîner de toute manière. On est sur notre mission de vie. On te dit de faire marcher ton cérébral. Hein, et on a le chariot, la victoire sur des révélations. Ouais, et on a une illumination. On peut voir aussi les personnes clairement comme elles sont, en fait. Hein, voilà, on voit les personnes clairement comme elles sont. Ok, on a un homme d'un certain âge ici, ou alors on a la protection d'en haut par rapport à des trahisons qui sont là pour toi, autour de toi. Voilà, on a envie de parler aussi. Allez, on y va. Moi ici, j'ai des jalousies qui vont prendre fin, des personnes qui vont être grillées. On a une grande joie qui est là, on a un messager qui arrive pour te donner des vérités. Moi, j'ai quelqu'un d'illuminé. J'ai des révélations dans la vie de certaines personnes. On parle ici d'élévation et on parle de quelqu'un de forte et de sage. Bon, bah, de toute façon, tu vas sur la victoire. Il y a comme un rééquilibrage obligatoire. Hein, c'est obligatoire. On a aussi peut-être la fin des triangulaires. Pourquoi? La fin des trahisons, j'avais dit. Bon, ça peut être la fin des triangulaires. Hein. On peut partir pour un nouveau départ. On te parle ici de fidélité, hein, des amis, de voyager aussi avec les amis. On parle d'une rencontre et de choses fêtées avec un monsieur. Et on te dit que c'est avec certitude. Par contre, on est tracassé par la fin de quelque chose. On parle des papiers qui ne sont pas encore faits. Bon, on te dit de faire attention à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ok? Voilà. Premier petit message. Allez, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de ça? Le chariot, la maison et l'impératrice et la 15. Ok. Donc, l'impératrice, hein, c'est le chariot. Donc, toi, mon empereur, mon impératrice, ben, c'est la victoire en fait. Hein, c'est tout. C'est l'abondance. Donc, en fait, le monde divin va rétablir les choses et va te redonner ton abondance. Hein, si on t'a voulu te voler ton abondance, si on t'a fait quelque chose. Voilà, on va rectifier les choses. Il y a un mal pour un bien ici. Et puis, on a l'empereur. Donc, c'est un empereur qui va avoir une illumination. C'est un empereur qui va comprendre les choses avec son impératrice. On te parle du retour de l'amour. Donc, le retour de cette personne. Bon, ben voilà, c'est un rééquilibrage, en fait. On a le départ pour de nouvelles aventures. Et on te dit que quelqu'un qui arrive, une aide, quelqu'un est lui, nous, au-delà, l'au-delà. Hein, vraiment, on a l'empereur, l'impératrice, et on a la magie qui est là. On a l'abondance, on a le retour de l'amour. Donc, mon impératrice, ben, ou mon empereur, là, on te dit qu'il y a quelqu'un qui revient. En fait, c'est quelqu'un qui va... On va lui mettre la foudre sur la tête. J'ai envie de te dire que oui, il y a la foudre qui tombe sur sa tête. Hein, tu es tracassé par des écrits qui arrivent, tu vas être tracassé par des écrits, ou alors il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour te donner des écrits. On te parle ici de victoire. Ah ouais, voilà, la victoire, c'est le message en fait. Hein, voilà. Tu vas discuter avec quelqu'un, on a la victoire avec un jeune homme, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, bon, en tout cas c'est la victoire. Hein. Ça peut être quelqu'un de tes amis, et on va avoir le choix. Ici, c'est quoi? Il y a quelque chose qui prend fin, des histoires charnelles. Hein. On te dit que ça va prendre fin à la maison, à l'extérieur de la maison. On a peut-être la fin avec quelqu'un. Ici, il y a quelque chose qui va être dévoilé, un amour. Bah, pour moi, en fait, c'est ça. On va rééquilibrer. Peut-être que... Ah ouais? Pourquoi? Oh, punaise. On est tracassé par quelqu'un, par contre. Ou alors, il y a quelqu'un qui est tracassé par nous. Hein. On a une nouvelle rencontre qui arrive et je pense que quelqu'un va être jaloux. Tout simplement. On a l'empereur et l'impératrice qui vont se... Le vrai empereur, la vraie impératrice qui vont se rencontrer, se voir ou quoi au caisse. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont être jalouses, hein, vraiment. Tu vois, on a des rendez-vous d'amour ici. Et on le sent. Vous sentez déjà peut-être cette personne. On a une évolution, on a des rendez-vous, on a des visites. On a un cadeau qui arrive pour nous, on a ta fécondité qui revient. Allez. On a les rêves ici, on a beaucoup de rêves.
Bon, on fait attention à la trahison qui arrive à toi, hein, qui fait du travail. Aïe, aïe, aïe. Ça met du retard des personnes comme ça et on a l'échec. Bon, eh ben écoute, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils réussiront pas à t'enlever ton bonheur, à t'enlever ta joie et ton évolution. On te dit que c'est l'hérédité, en fait, que c'est pour toi. Ça arrive, hein. Tu reçois aussi des rêves prémonitoires, tu sens aussi la séparation de quelque chose avec quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression aussi ici qu'on a le retour, mais bon. Quelqu'un qui va se projeter à travers toi, à travers ta famille, c'est pas clair. C'est pas clair, mon ami Lion. C'est pas clair du tout, mon ami Lion. Ok. Bah toi, ça sera le tarot Everyday. Everyday. Je suis plutôt marrante aujourd'hui. C'est toutes vos bénédictions, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors ici, on regarde de loin quelque chose, on attend quelqu'un, on attend le retour de quelqu'un. Alors ce quelqu'un, la justice, le 7 de bâton demande de se protéger par rapport à cet empereur. On a un conflit mental et on doit sortir des illusions. Voilà, on doit sortir peut-être de ce conflit mental. On te demande de garder espoir parce que peut-être que tu es célibataire. Tu as un manque de cette personne. Mais bon, peut-être que, voilà, quoi. Peut-être qu'il y a eu des triangulaires ici, d'accord, et que les vérités sont éclatées au niveau de cet amour. Et on te parle aussi de festivitation avec, avec quelqu'un. Et ici, on a la transformation pour aller de l'avant. Donc, tu vas quitter une situation pour quelque chose de neuf. Ou alors, c'est le retour de quelqu'un que tu attends avec impatience. Et ici, on te dit le 4 de bâton que c'est un engagement solide. Il y a une roue de fortune qui est là. Pourquoi ce vol? Hein, il y a eu triangulaire, il y a eu tromperie. On a voulu te mettre à terre. On fait attention au vol. Hein. On fait attention au vol. Hein. Il y a des triangulaires, il y a des mensonges ici. On fait attention, hein, regarde. Hein. On est enchaîné. Bon, c'est pas très cool. Hein. On dort très très mal par rapport à un roi de cœur, par rapport à un empereur qui n'a pas été juste. Donc, il y a eu du vol, il y a eu des choses comme ça. Et on te dit renouveau, renouveau, renouveau. Même si tu ne sais pas, en fait, tu sais exactement. Hein, d'accord? Le battleur, on te reparle encore une nouvelle fois de nouveautés. Donc là, ben, moi, j'ai envie de te dire que ouais, tu vas te déchaîner de certaines choses qui t'enchaînent et tu vas décider d'aller de l'avant, en fait. Et puis, tu vas décider de laisser la chance peut-être à quelqu'un. Hein. L'empereur. Hein, peut-être ton vrai empereur qui arrive avec un véritable engagement. Voilà, cher ami Lion, pour moi, tu te délies. Hein, tu te délies d'une relation complexe pour une nouvelle relation plutôt positive. J'ai entendu perplexe, parce que peut-être que tu es perplexe. Il y a quelqu'un de plus jeune. Hein. Moi, je le sens bien comme ça. Il y a la réunion de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Hein. Il faut même pas chercher. On parle de bébé, de projet, de tomber les masques, d'être dans l'harmonie totale et puis la victoire. Donc, bon, bah, pour moi, en fait, tu retrouves ton vrai double. Tu laisses tomber le faux double pour le vrai double. Tu as compris ce que je veux dire? Tu laisses tomber le faux double pour le vrai double. Donc ici, 57, 57. Eh bien, tiens, une heure magique. 57, 57 pour mes amis Lyon. Hop, allez, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, il y en a encore deux. On va voir lesquels. Là, ça commence à être le boxon dans mon bureau. Ça ne va pas du tout. Hein. Allez, c'est qui? Je vais la chercher. Les cancers, je les ai sentis tout à l'heure. Hein. Et on a les poissons face à face avec un cancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions, on a de la peur, de la tristesse, on a pris un mauvais chemin, on a besoin de parler de nos émotions. Allez, pour mes amis, cancer, la parole est mon plus grand. Et mon plus grand messager. Voilà, on a besoin de parler ici pour mes amis cancer et on va parler. On a besoin de dire des choses là. Le chariot et le diable. Donc, se quitter, se laisser ces énergies néfastes autour de nous, à côté de nous. On te dit vraiment de laisser ces énergies
bizarroïde. On peut avoir aussi une illumination qui va nous permettre ici d'avancer. Je le sens bien comme ça. Allez, on y va. Pour mes amis cancer. Message pour mes amis cancer. Ben, il est là. Waouh, la paix de l'âme, le silence en Dieu, le roi des rois. C'est trop beau. Pour mes amis cancer, qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y a beaucoup la couleur bleue qui me vient, le vert aussi. Bon, on a une grâce, mais qui est un peu à l'envers. Donc, peut-être qu'on a besoin de mettre des choses au niveau de notre intelligence, au niveau de notre tête. Parce que, voilà, peut-être on doit garder le silence pour réussir à avoir l'abondance. Ouais, moi, c'est ça, en fait. Hein. Peut-être que des fois, il faut savoir se taire. Parce que j'ai l'impression qu'aussi, on peut avoir certaines méchancetés autour de nous. Bon, bah, tu as quand même la protection sur toi, donc c'est plutôt bien. Mais on te demande ici d'agir avec sagesse. Face à nous, qu'est-ce qui se passe? On a une femme. On a une femme. On est méchant avec une femme, là, ici. On a de la méchanceté sur une femme face à nous. On a une passion et on a beaucoup de va-et-vient. Beaucoup de choses qui on n'arrive pas à mettre au clair, hein, j'ai l'impression. Et on parle des cris qui arrivent. Donc ici, il y a une grâce qui tombe, mais je pense qu'il faut garder le silence pour avoir la grâce, parce que sinon, on va avoir un procès. Et on peut bloquer, en fait, notre abondance. Ici, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'être juste et de penser à notre famille pour qu'il n'y ait pas d'effondrement. Donc là, vraiment, avec la paix de l'âme, moi, j'ai envie de te dire qu'on doit vraiment faire confiance au divin, garder le silence sur certaines choses, hein. D'accord, parce que des fois, la bouche, c'est pas... voilà, il faut, comme on dit, hein, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Donc ici, on a un couple. On a un couple qui arrive avec lenteur, tout doucement, mais sûrement. J'ai un autre homme et on a du travail ensemble. Hein, donc, bon, on peut avoir aussi une femme avec un homme d'un certain âge autour de nous. Ça peut être les parents. On a le doute ici par rapport à ces personnes. On te dit que tu es forte et tu es sage. Hein, y a une rencontre qui arrive lors d'un voyage. Et en plus, on a de l'abondance. Ok, ça peut être quelqu'un qui a un enfant. On parle de festivité. Mais on te dit de faire attention à ce que tu dis. Voilà, il faut faire attention à ce que tu dis. Fais attention aussi à ce que tu reçois. Il y a de l'amour qui arrive. Mais il faut savoir garder le silence. Ici, on a des histoires juridiques. On a des trucs un peu olé-olé. On a le messager. Et on a une jeune fille. Ok. Pour mes amis, cancer. On a des visites. On a des rendez-vous avec une femme. Ou pour une femme. Hop, on a de la distance. On a la trahison et les liens intimes à l'envers. C'est vraiment pour toi. On te dit de faire attention au niveau des liens. Bon, ça peut être vraiment des... Ouais, je ne sais pas. On a des liens qui sont là. On a le retour, la distance et le temps. Il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui avait pris de la distance après une séparation. Bon, on te redit de faire attention aux trahisons, hein. Vraiment, derrière le miroir, des trucs un peu bizarroïdes, hein, des personnes qui joueraient avec des choses qui sont pas bien. Quoi qu'il en soit, on te parle de la naissance de ta fécondité, même si ça prend un peu de retard, on te dit que ça revient. Il y a des contrats, attention, il faut se protéger là, mes amis cancer, d'accord? Il y a des contrats au niveau de ton argent, des accusations sur ce que tu dégages, je ne sais pas, on parle d'un échec pour ces personnes-là. Message d'aide au niveau love, 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 parce que là c'est bizarre. Bah écoute, on a la joie, mais à l'envers, donc c'est pas pour maintenant. Il y a des correspondances à l'envers aussi. Est-ce qu'on est juste avec nous-mêmes? Est-ce qu'on n'accuse pas les uns les autres? Est-ce qu'il n'y a pas des accusations sur toi? On a des accusations au niveau familial et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis qui a fait quelque chose pour mettre de la distance entre toi et quelqu'un. Mais ça n'a pas été fait correctement. Alors, pose-toi les bonnes questions. Hein. Pose-toi les bonnes questions ici, mon cher ami cancer. Hein. Après le verdict, il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Hein. Après le verdict, il y a des changements pour toi, ami cancer.
Ouais, il y a des choses qui prennent fin. Tu as la clairvoyance qui va être développée. Tu sens un verdict qui arrive. Par contre, on te dit faire attention aux trahisons. Hein. C'est vraiment ça, après un verdict ou par rapport à un verdict. Hein. Voilà, la jalousie. Tu es protégé de cette jalousie. Mais en fait, c'est comme si on... Attention, protège-toi, cher ami cancer. Hein. On veut peut-être te mettre la tête à l'envers. Hein. Vraiment, on veut bloquer tes rêves, bloquer ton enfant intérieur, te laisser enfermer, ne pas te laisser ouvrir cette porte de naissance qu'il y a. On veut un échec, tout simplement. On veut ton retard. Donc là, au mois de février, j'ai l'impression qu'on te demande vraiment bah, de te protéger parce que ta bouche... Il faut garder le silence. On se projette avec une femme ou il y a une femme aussi qui se projette. Je sais pas, c'est comme si on te dit garde le silence. Hein. Garde le silence, laisse le Tout-Puissant s'occuper de ça, hein. S'occuper des accusations, s'occuper des personnes bah, qui se projettent sur toi, qui je sais pas, qui te regardent derrière un miroir, qui t'observent. C'est bizarre. Tu vois, qui t'observent de loin, qui veulent un échec, hein, qui sont jaloux de toi. Hein. Tu es protégé là-dessus. Mais bon, bah voilà, hein. Y a eu des contrats de fées. Il y a des contrats de fées pour toi, ami cancer, au mois de février. Hein. Le hasard n'existe pas. La famille, la corne d'abondance, ça peut être des choses un peu financières par rapport à ta beauté du cœur. On veut te mettre du retard au niveau d'un procès. Donc là, il y a des histoires de procès qui bloquent. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu aies la paix de l'âme et la paix du cœur. C'est très important. Est-ce que je lui prends un dernier message à mon ami cancer? Ouais, c'est ça que je ressens en fait. Ça fait de la peine, quoi. Voilà, pendu par rapport à de la tristesse, par rapport à quelque chose qui nous fait mal. On est pendu. On va chercher un petit peu de spiritualité pour nous aider. Voilà. Le roi d'épée, il faut qu'il réfléchisse. Il y a des problèmes de justice aussi. Il y a la justice, des nouvelles qui arrivent. On a aussi un lien partagé, un lien d'amour partagé. Et on te demande de garder le silence par rapport à cet amour. Donc voilà, peut-être qu'on veut te bloquer par rapport à un amour. Donc on te dit, garde le silence. Hein. C'est une étoile, cette personne à qui tu penses. Et toi, tu es le roi de cœur. Mais on dirait que tu es très triste. Tu ressens un manque. Il y a une rupture avec une étoile qui te fait mal. Bah écoute, hein, c'est la justice. Hein. Il y a un engagement qui est un peu bloqué pour le mois de février. Je peux pas aller plus loin, mes choubidous. Ami cancer. Zéro un, 1h07. 1h07. Ouais, c'est un peu tristouné, hein, mes amis cancer. Moi, je trouve que c'est un peu tristouné, je ne vais pas mentir. C'est un peu tristouné, quoi. Allez, des messages pour les autres. Scorpions, je sais pas si je les ai fait, les scorpions. Eh ben non, en plus, ils n'arrêtent pas de sortir. Mes amis scorpions, j'accepte de me transformer et de renaître. Et en face à face, on a du taureau. Donc, voilà les choses importantes. Bon, allez, hop. Scorpion, et on est à 1h07. 1h07. Ok. Allez, pour mes amis scorpions. Donc, on accepte de se transformer et de renaître. D'accord? Avec le bélier en face. Non, le taureau en face à face. C'est reprendre nos responsabilités. Être vraiment bah, dans notre mission de vie. Hein. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc, ça veut dire que, voilà, on ne se repose pas sur nos acquis. On avance. On essaye de grandir. On a la colombe. Donc, on voit de quelqu'un, des personnes qui sont très douces, très spirituelles. On peut avoir un côté. Un côté de côté en nous, mais le côté positif prendra toujours le dessus. On a de l'auto-sabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs, c'est cette voix intérieure qui te fait dérailler tes plans soigneusement étudiés.
Et nous avons quoi? Le lâcher-prise. Donc, on doit lâcher prise sur notre auto-sabotage, sur les choses qui nous empêchent d'avancer. On te dit que dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonne, à la bonté supérieure et la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout pour ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc là, on te demande de fermer les yeux, de faire confiance au monde divin. On est dans la fin d'un cycle et on a la détermination, le calme, la gentillesse. On évite les conflits et on évite la stagnation. La miséricorde et l'amour est éternel. C'est trop beau. Unis comme les deux doigts de la main. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour mes amis scorpions? N'oublie pas de m'appeler, je t'entends prier, Dieu est éternel. Cherche en toi la lumière pour rester humble, caché sous le manteau de la vie, cette lumière s'éblouit, s'éteindre pour mieux renaître. Donc là, moi, je vois des êtres qui sont très, très, très protégés. D'accord? Donc, on arrête l'auto-sabotage, on ouvre les yeux si on a les yeux fermés. S'il y a quelqu'un qui nous bloque la vue, on avance, on lâche prise et on laisse tout aller, hein, d'accord? Donc là, il y a eu de la perte de temps, je sens, on parle de correspondance qui arrive de l'étranger. Pour toi, ami scorpion, c'est un coup de chance. On est un carrefour de notre vie, plutôt positif. On te dit oui dans tout ce qui est examen, hein, donc ça peut être le travail, ça peut être l'école. On te parle d'un grand oui, hein, d'accord? Même s'il y a eu beaucoup de retard, on te dit que tu es protégé par le divin, d'accord? Toute cette instabilité va sortir et on va te permettre d'ouvrir la nouvelle porte de ta destinée. Au mois de février, ami scorpion, il y a une grande évolution, élévation pour vous. Positif, positif là, mes amis scorpions, c'est magnifique. Vraiment. Allez, on va regarder un petit message là, ce qu'on peut avoir. Celle-là, elle veut nous parler, donc on va la prendre. Donc, on révèle notre vérité. On dit les choses, on n'a pas peur d'être nous-mêmes. On veut être ce scorpion, hein, parce que le scorpion, c'est quand même un signe plutôt vraiment de force caractère, quoi, hein. C'est l'un des signes les plus forts du caractère. On a confiance en moi, confiance en toi. On te dit, j'ai confiance en moi. Tu dois avoir confiance en toi. Je suis libre et sauvage. C'est clairement ça. Les scorpions, vous êtes libres et vous êtes des personnes sauvages. Donc, il faut faire valoir cette sauvagerie, hein, ces personnes-là. Et surtout, il faut avoir confiance en ce lion et cette lionne qu'on a en nous. Donc là, on a la maîtrise. On te demande de maîtriser les choses, de maîtriser la petite fleur que tu as en toi. Une petite deuxième, hein, s'il te plaît. Waouh, on a la vaine gloire. On te remet la couronne sur ta tête. Tout simplement. On a la maîtrise de soi-même, on a la maîtrise de qui on est, on a le cœur bien en place, on a la couronne sur notre tête, on a les deux oreilles bien à leur place, on a la bouche bien à la place, à sa place, parce qu'on n'a qu'une bouche. Hein. Heureusement qu'on n'a qu'une bouche, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a deux oreilles et une bouche. Donc ça veut dire deux oreilles pour écouter deux fois, une bouche pour parler qu'une fois. Voilà. Voilà, le silence, hein, la bouche, on n'a qu'une bouche, c'est pour garder le silence, plus, tu vois, elle revient, donc c'est vraiment ça. Là, on nous dit deux oreilles pour réécouter deux fois plus, une bouche pour parler qu'une fois et pour laisser les oreilles écouter. C'est très important. Voilà, et on te dit ici vraiment que la lumière que tu as en toi, elle doit te servir, il faut que tu la caches. Cacher en soi la lumière pour rester humble, cacher sous le manteau de la vie, cette lumière éblouit. Tu vois, c'est quelqu'un, on a des personnes ici qui ont tellement de lumière en eux et il faut qu'ils la cachent. Il faut cacher cette lumière pour ne pas qu'elle soit vue. D'accord? Ici, on peut avoir, te dit de faire attention aux disputes. On a une aide qui arrive, hein, que ce soit de l'ordre de l'au-delà, des amis, la famille. On a quelqu'un qui vient t'aider et on te dit d'aller de l'avant. Allez, cette ici, l'impératrice au niveau d'un âme sœur. Donc, des petites ruptures, des petites disputes. On a l'intuition, on te demande ici d'écouter ton cœur, que tu as toutes les réponses et ouvre les yeux aux signes.
Pareil, on a deux yeux. Donc deux yeux, c'est pour voir deux fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Écouter deux fois, voir deux fois et une seule bouche. Donc la bouche, on doit la garder fermée. Il y a des secrets à être dévoilés. On te dit silence sur les blablas, les critiques. Tu vois, il y a des secrets. On parle de ton intuition. On te dit que c'est l'heure, hein, c'est l'heure de la roue de fortune, c'est l'heure de grosse rentrée. On te dit que tu as un trésor et que c'est la bonne heure. Le bonheur, la bonne heure ou le bonheur. Tu comprends? Voilà. Et on croit en tes rêves, on croit en toi. On te dit que tu as la magie en toi, tu as l'abondance en toi. Donc là, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. À part cette carte ici qui nous parle, moi j'ai l'impression aussi, voilà, avec l'auto-sabotage, de laisser derrière les colères. Laisser derrière les choses qui nous servent à Welou, qui nous servent à rien du tout, hein. Voilà, il y a peut-être aussi des. Tu vois, regarde, hein. Voilà. Voilà. Tu as la victoire sur toutes les personnes bizarroïdes autour de toi. Le divin, il voit tout. Le divin, il fait les choses que tu ne voudrais pas faire. Tu vois, c'est clairement ça. Est-ce que je prends un petit oracle des miroirs? Oui, évidemment, parce que je ne l'ai pas pris, je crois pas. On a la naissance de quelque chose. On va se projeter un peu plus loin là. On a la tranquillité, on a la victoire qui est là pour toi, ami Scorpion. Donc là, moi, vraiment, comme je te dis, hein, on apprend à se transformer. On veut renaître. On veut être et renaître. Et puis en plus, regarde, on a la meilleure carte du jeu, on te parle de la grande joie. Hein, là, on se sent un peu. Et là, il y a comme quelqu'un qui est enfermé, qui se sent tranquille. D'accord? Et on a la joie qui arrive. Et bon, ben voilà, je l'ai vu. Hein. Donc en fait, une personne qui a une grande médiumnité, une très grande clairvoyance, on voit à travers le miroir, on voit à travers les choses qui ne sont pas vues, on a des rêves prémonitoires, on est connecté au monde divin comme jamais. On sent les amis, on sent les choses, on sent quand on doit prendre une autre route. Hein. Et en plus, on te parle de coup de chance. Donc, ami Scorpion, permets-moi de te dire que ce mois de février va être plutôt positif. Je veux savoir c'est quoi quand même ça. Alors, tu es protégé sur les jalousies qu'il pourrait y avoir au niveau de ton abondance, parce que là, on voit de l'argent, on voit beaucoup d'abondance pour toi qui arrive, et il y a un échec et mat pour des personnes qui seraient jalouses de toi. On te dit que le divin te protège, tu as une protection au niveau de tes ancêtres. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as une lignée vraiment très importante au niveau des femmes, au niveau des ancêtres, hein, que ce soit homme ou femme. J'ai l'impression que tu as une grande lignée, tu vois. Regarde ce qu'on a ici quand je te dis ce que je te dis. L'hérédité. Tu fais partie d'un arbre exceptionnel. Donc en fait, la jalousie, les lalali, lalala, eh bien, ça va te permettre d'avancer, en fait, d'évoluer, de grandir. Bon, ben moi, franchement, ami Scorpion, j'ai envie de te dire que ce mois de février va être très positif. On te dit de croire en toi. Tu es quelqu'un de sauvage. Tu es un tigre ou une tigresse. On te demande de parfois garder le silence, hein, comme je t'ai expliqué. Hein, on te dit que tu as l'amour et la miséricorde éternelle, que tu as de la lumière en toi qu'il faut peut-être cacher un peu, parce que ça, on peut être jaloux aussi de ta lumière. Hein. Et on te dit, tu vois, le divin te dit, n'oublie pas de m'appeler, je t'entends quand tu pries. Dieu est éternel. Et c'est la fin d'un mauvais cycle, c'est la fin d'un cycle qui a été un peu entre deux. On parle de détermination, hein, et que on évite les conflits, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a dit. Le silence, c'est comme mes amis, je ne sais plus c'était qui les amis, c'était les amis cancer. On nous demandait de garder le silence. Ben là, j'ai l'impression que c'est pareil. Ami Scorpion, c'était pour toi. 1 minute 18, 1h18, pardon, 1h18. Et je crois que c'est le dernier signe, là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai encore un. Alors, le scorpion, il est fait. Le taureau, il est fait. Eh bien, on n'a plus que la Vierge. Et pour voir quel signe est face à toi, cher signe de la Vierge, eh bien, on va regarder. On a le bélier. Alors, le bélier, je te dis qu'il n'a pas arrêté d'être là. Le bélier, le scorpion, hein, il doit y avoir quelque chose avec le bélier et le scorpion pour ce mois de février parce que, ils sont trop sortis. Donc, le bélier pour nos actions, pour ce qu'on a envie d'entreprendre, de partir la tête baissée, de ne pas lâcher l'affaire dans tout.
toutes les complexités, et le scorpion pour piquer lorsqu'on doit piquer. Et garder le silence quand on doit garder le silence. Voilà. Allez, pour mes amis vierges. Hein. Ouh là là. Alors, je ne peux pas prendre tout ça parce que sinon je lis toutes les cartes. Hein. Je vais prendre juste celle-là. Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Bah, dis donc, j'ai l'impression que pour tous les signes du zodiaque, on nous demande de garder le silence un petit peu, hein, de savoir se taire. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous demande vraiment. Hein. De laisser le divin parler à notre place, tu vois. Voilà. Bon, allez, on y va. Pour mes amis vierges, qu'est-ce que je peux avoir? Pour mes amis vierges, pour le mois de février, ça peut très bien être aussi intemporel, hein, lorsque tu tomberas sur cette vidéo. Même si tu tombes sur la vidéo en 2025, ça peut très bien te parler. Ok? Donc, on a une femme ici ou un empereur qui est dans les intuitions, qui est comme la grande prêtresse, donc c'est le gardien et la gardienne du livre. Et on voit quelqu'un qui est guérisseur ou guérisseuse. Hein, c'est plutôt pas mal. Et bien, avec le mat, on te parle d'un nouveau départ. Et en plus, tu pars sur le monde. Donc, tu pars sur quelque chose de très puissant, quelque chose que tu as très envie, quelque chose qui fait partie de ton ordre, de ta destinée. Donc, le mois de février ou alors intemporel, lorsque tu tomberas sur la vidéo, on te dit que tu repars à zéro avec le mat. Voilà, tu vas sur ta nouvelle destinée. Prends les meilleurs choix qui t'imposent. On te demande ici de garder espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours de l'espoir. Donc là, moi, j'ai envie de te dire que on te demande d'aimer. Aime, aime ton prochain. Garde espoir sur les choses un peu difficiles dans ta vie parce que rien n'est perdu, d'accord? Donc, on y va. Allez, ok. Bon, on te demande ici de faire attention à la jalousie. Hein. Ben, de toute façon, c'était un peu tous pareil pour tous les signes. Hein. Donc, on a une roue de fortune, on a des grosses rentrées d'argent, mais on te demande de faire attention à la jalousie qu'il y aura sur ton chemin. D'accord? On a aussi une aide qui arrive, une aide de l'au-delà, une aide de la famille, une aide de quelqu'un que tu as, peut-être que tu n'attends pas. Hein. Un message spirituel pour mes amis vierges. Sensationnel est le fait de d'aimer Dieu et il nous le rend bien. L'étoile, la fille du firmament. Retour au projet universel primordial, nos rêves les plus fous, on va les réaliser. Là, moi, j'ai quelqu'un qui lâche ses chaînes et qui a décidé d'avancer, qui a décidé d'être dans sa mission de vie, qui a décidé d'être heureux et heureuse. Et puis, même si on ne sait pas trop où on va, moi, j'ai la sensation qu'ici, on y va. On y va. Eh bien, on va direction le monde. Hein. Voilà, tout simplement, mes amis vierges. En plus, un petit clin d'œil à une de mes meilleures amies qui est vierge, que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle ne sera pas sur la vidéo parce qu'elle ne sait même pas que je fais des vidéos. Mais bon, clin d'œil pour ma meilleure amie quand même. Allez, on y va. On a de la bagarre. On a un peu de lutte autour de nous. On a des nouvelles par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Alors, on peut avoir un projet ici où il y a beaucoup de bagarres autour, beaucoup de luttes, des choses à régler. Ou alors un projet qui n'est pas facile à mettre en place. On a un empereur, donc il peut y avoir un peu de jalousie, tout ça, au niveau d'un empereur. Et ça nous met un blocage, une nouveauté, quelque chose de nouveau qu'on regarde de loin. Un roi de cœur, son roi de cœur, donc l'homme avec qui on est amoureuse. Hein. Donc là, on a espoir sur cette personne. En plus, on peut voir une personne célibataire. On te parle de nouvelles qui arrivent, d'allumer ta lanterne pour voir les choses. On a un effondrement, ou alors pas un effondrement, plutôt des révélations pour une femme. Ouais, ça peut être au niveau financier qu'il va y avoir un craquage financier. Hein. Ouais, on peut avoir un homme qui arrive de loin et qu'il faudra choisir hein, parce qu'il y a une trahison ici. Ok, ouh là là. Donc là, bon, mon impératrice ou mon empereur, il y a des histoires de tierces et ben il va falloir quitter ça. Hein. Voilà, voilà, voilà. Il y a une passion, il y a un amour partagé qui prend fin ici. Il y a une tierce personne, il y a une trahison, il y a des mensonges et on dort mal. Là, mon empereur, mon impératrice, il y a des trahisons, il y a des rivalités. Voilà, là, c'est la triangulaire dans toute sa splendeur. Et on nous demande ici de laisser un peu tout ça parce que ça nous fait patienter pour rien. Voilà, non, ça ne va pas du tout. Hein. Là, ça ne va pas du tout. Hein.
Eh bien, le fou, hein. Donc le fou, le mat, c'est pareil, parce qu'on dort mal, on repart à zéro, on quitte les situations. J'ai l'empereur qui était là en plus, un projet avec un empereur. Bon, on te parle du cavalier, donc voilà, il y a des gens qui parlent un peu sur notre dos par rapport à notre nouveau départ, mais quoi qu'il en soit, on te parle d'un engagement, d'une construction solide. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette construction solide? Ouh là là! Et de l'abondance financière. Un nouveau départ et on va en fait, ah, il peut y avoir des gens qui prennent des informations sur ton abondance, hein, une femme un peu secrète qui prend des informations sur toi, qui te regarde de loin, toi on te voit partir, laisser derrière, tu t'en fiches, tu pars en fait, hein, voilà, le fou, nouveau départ, tu te protèges en partant, en quittant les énergies négative. Donc là, c'est plutôt positif pour toi, ami vierge. On dirait que tu vas prendre conscience que, eh bien, que ça y est, quoi. Hein, que ta vie est plus importante que le reste. Ok. Pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Trois, s'il te plaît. Ou comme tu veux, hein. Que moi, des fois, je suis exigeante et on n'a pas droit d'être exigeante. Donc, on a la protection. Merci. Donc, on est protégé, mes amis vierges. On est protégé au niveau des erreurs ou au niveau des personnes qui parlent mal. Ah, parce que moi, ici, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui croquent la pomme de la méchanceté. Eh bien, on est protégé de tout ça. On est protégé sur nos nouveaux départs. Mais bon, attention de ne pas croquer la pomme. Hein, parce qu'on a des doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui a des doutes ici, qui ne sait pas trop quel choix prendre. Donc on te demande d'écouter ton âme. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce au niveau de l'amour. On a des doutes au niveau du cœur. Donc on te dit de prendre vraiment des décisions. C'est nécessaire pour toi. Et tu auras la bénédiction. Donc tu t'inquiètes pas. Il y a un message qui arrive. Ça peut même être un messager qui va venir pour toi. Ça peut être un guide, hein, qui va venir t'aiguiller pour te donner un petit peu la route à suivre par rapport à cette nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui fait partie de ta racine. Alors, c'est un ancêtre, hein, qui va te mettre la lumière, qui va allumer la lumière pour toi, pour que tu vois clair. Et on te dit que c'est le message. Ok. Parfois, il y a des sacrifices qui doivent être faits, mais ce n'est pas des sacrifices ni humains, ni de nourriture, ou je ne sais pas trop quoi. Si tu fais des sacrifices de nourriture, c'est que tu vas donner à quelqu'un qui a besoin. Donc des sacrifices, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ça. C'est par exemple, tu as quelque chose, tu vas me donner la moitié pour quelqu'un qui a besoin. Tu as un petit billet dans les poches, tu vas le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Pourquoi? Ça s'appelle des sacrifices pour Dieu. Parce que Dieu, il est généreux, alors tu vas être généreux pour lui, hein, avant d'être pour la personne, mais en fait, tu vas faire ce que Dieu ferait. Hein, c'est la protection, c'est l'assaut de la prophétie. C'est ça, c'est la clé. C'est la clé pour toi, mon cher ami vierge. C'est la clé. Sois dans le sacrifice de ce que tu as avec tes âmes sœurs, avec tes âmes. Fais attention de ne pas être tenté. On te dit que c'est nécessaire de ne pas te laisser tenter. En tout cas, ce que je viens de te dire, on va te dire que on te dit que c'est la clé. Hein, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé pour ton avancement. C'est la clé pour tout. C'est aussi. Quand tu vas aller faire du bien à quelqu'un, cette personne elle va se dire, ah tiens, Dieu m'a envoyé cette personne. Et après, cette personne va faire des bénédictions sur toi et ça va te permettre ici de t'élever. Donc là, on te dit que c'est le message, cher ami vierge. Donc là, voilà, à mon avis, c'est une histoire de triangulaire. Il va falloir faire le choix. Surtout, à mon avis, tu es avec quelqu'un, peut-être, il faut pas croquer la pomme. Relation, la relation, les relations ne sont que les miroirs de ta propre vie en image, que ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations, aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évoluer, d'évaluation pour ton âme. Et on te demande ici de lâcher prise. Voilà, mes chers amis, choubidoubidou. Donc, je pense que là, on a fait tous les signes. Ça a été vraiment une journée chargée parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'était avec beaucoup d'amour. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous aurez vos messages. Par contre, oui, j'avais décidé en fin de vidéo de saluer quelqu'un.
C'est Grace Wendy. Alors, Grace comme le prénom Grace, hein, la grâce aussi divine. Wendy, Wedji. Ma chère sœur d'amour, sache que tes messages me remplissent de joie. Sois béni par la grâce de Dieu, notre Dieu d'amour, notre guide suprême. Je t'aime très très fort. Tes messages me donnent la pêche. On est une famille d'âmes, comme tu dis. Je pense qu'on est connectés, toi et moi. Si on ne se connaît pas en vrai, ce qui est aussi peut-être qu'on se connaît pour de vrai, je ne sais pas. Hein, 29 29, hein, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, nos âmes sont connectées. Continue à être comme tu es parce que tu es quelqu'un de merveilleux et au fond de moi, je fais des grandes prières pour toi comme tu fais des bonnes prières pour moi. J'avais aussi une autre personne, mais par contre, cette personne, je ne donnerai pas son nom. Je vais juste donner ses initiales qui commencent par un P et par un M. Une personne qui m'a mis un commentaire comme quoi elle aurait pu arrêter la vidéo, mais que parce que les premiers mots étaient entre guillemets violents et qu'elle a vu après au fur et à mesure que c'était pas pour elle, que c'était pour la tierce, je ne sais pas. Ma chère amie, en fait, moi je suis pas là pour te raconter des histoires, je suis pas là pour broder non plus. Si j'ai la carte d'apprendre à recevoir qui sort, alors que tu as tout ça comme carte, c'est que c'est marqué apprends et recevoir. Je ne peux pas inventer des choses pour faire plaisir ou pour pas faire plaisir. Je suis pas dans la complaisance, même si j'essaye toujours quand même de faire les choses avec amour. J'essaie quand même de donner un petit peu de sens positif parce que nous sommes créateurs de notre vie, créateurs de nos espoirs. Mais voilà. Il faut savoir écouter le message qui vient à toi. C'est pas forcément toi. Ça peut être ton hôte. Ça peut être la personne en face de toi. Je suis pas non plus le bon Dieu. Je suis là juste pour te transmettre des messages que moi je reçois. Te donner aussi un peu de mon vécu à moi personnel pour t'aider à avancer. Mais avant de mettre un com qui te dit oui, nanani, nanana, 15h15, hein, 15h15. 15 et nous arrivons bientôt à 15 secondes. Voilà l'éclaircissement ici, ainsi soit-il. Voilà, écoutez toujours la vidéo en entière parce que des fois, il y a des miracles qui se passent en plein milieu de la guidance ou même vers la fin et que tu n'es pas au courant, que c'est pas forcément marqué dans le film ou dans le titre. C'est pour ça, gardez l'esprit de discernement. Lorsque moi, je vais regarder mes petites bonnes femmes qui font des guidances, je regarde toujours sa guidance de A à Z, à part si vraiment ça me titille mon cœur ou là, je vais éteindre, parce que je sais que la guidance ne me ressemble pas. Mais la plupart du temps, je finis toujours les guidances avec mon petit casque en faisant mon ménage, ma bouffe ou quoi dehors et tout. Pourquoi? Parce que je vais toujours recevoir un ou deux messages. Je ne peux pas donner mon avis sur une guidance que je n'ai pas entendue. Voilà. Sinon, pour tous les autres, je vous aime à la folie. Vous êtes des merveilles. Je pourrais tous vous saluer. Ben, peut-être que la prochaine vidéo, je vais faire ça. Je vais prendre quelques personnes qui sont tellement fidèles à moi. Je vous aime. Vous êtes des merveilles. Vraiment, les anciens comme les nouveaux. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes des merveilles. Ça commence à être une communauté vraiment génialissime. Hein, de toute façon, vous me faites du bien. Je vous fais du bien. On se fait du bien parce qu'on est une famille d'âmes. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est pour le mois de février, mais je pense aussi que c'est plutôt aussi intemporel. C'est au moment que tu tomberas sur la vidéo. Je la mettrai en haut de la page, comme ça tu pourras tomber même en 2027 dessus. Voilà, je pense pas que je pourrais faire ça tous les mois parce que franchement c'est pas possible, ça me prend énormément d'énergie. J'en ai eu pour la journée, donc j'espère que que vous aurez vraiment un retour positif parce que voilà, hein, j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, tout mon cœur, tout mon cœur, tout mon cœur. N'oubliez pas qu'on est maître de notre vie. Après la fin d'un cycle, il y a toujours le nouveau cycle qui arrive. En fait, la vie, c'est comme un 8, c'est un cheminement. Ce qui me vient en tête, c'est aussi se tourner vers notre divin d'amour, chéri d'amour. C'est lui qui a toutes les réponses. Ton toi supérieur, écoute-le, c'est très important.
Et voilà, je vous aime très. Et puis, si, par contre, restez vous-même. Vous êtes à la bonne place, vous êtes à votre place. Vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un. Donc, ne vous calquez pas sur quelqu'un d'autre, d'accord? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Restez toujours vous-même parce que c'est comme ça qu'on réussit. Je vous aime à la folie. Je vous dis à très vite et j'attends tous vos commentaires. Et voilà, je vous aime. Love, love, love. Soyez bénis, mes choubidous.